Magnum du Choquel au galop, remis. Allez, Poulain s'élance pour le prix Timoko. Un groupe 3 réservé au mâle de 2 ans avec un bon départ pour Marshall de Célan côté corde. Au centre, le favori Monzon Normand est bien parti. Milord Dira est hésitant alors que le numéro 2 Milan est déjà dans le groupe de tête avec à l'extérieur Magnum du Choquel en net retrait et déjà dominé. Il y a le numéro 1 Méridian. Avec Monzon Normand, le favori qui a pris l'avantage devant Marshall de Célan, les deux favoris aux deux premières places pour aborder le premier tournant. On a même le troisième favori qui est en troisième position, Milan, qui est suivi quant à lui au quatrième rang par Magnum du Choquel. Monzon Normand en tête pour bientôt sortir du premier tournant en deuxième position, Marshall de Célan. Milan est troisième, Magnum du Choquel quatrième, Minos Descharon vient ensuite, l'autre Kazakh Orange avec bientôt à sa hauteur Magico de Loup qui se décale. On va venir devant les tribunes avec Monzon Normand toujours qui a l'avantage, Marshall de Célan qui est deuxième, en troisième position c'est Milan devant Magnum du Choquel qui quitte la corde. À la corde il y a maintenant le 4, Minos Descharon et à son extérieur Magico de Loup. Passe devant les tribunes sous l'impulsion de Monzon Normand, 1-20 à peu près là, un tour du but avec à son extérieur se rapprochant maintenant Magnum du Choquel. Marshall de Célan troisième à la corde avec tout près Magico de Loup. Le 2 Milan est sur une troisième ligne. Minos Descharon quitte la corde et tente de prendre le wagon de la deuxième épaisseur. Monzon Normand, le favori toujours qui contrôle la course. Magnum du Choquel à son extérieur. En troisième position, c'est Marshall de Célan. En quatrième position, il y a toujours le numéro 5, Magico de Loup, devant Milan. Avec Minos Descharon qui a du mal à négocier le tournant, qui est d'ailleurs au galop. Moins d'un kilomètre à parcourir, avec toujours Monzon Normand qui mène, qui contrôle à son extérieur, Magnum du Choquel. Tout près des leaders, en dedans, Marshall de Célan, devant Magico de Loup, Milan sur une troisième ligne. Et le numéro 4, Minos Descharon, qui a été retardé par une faute. Ligne d'en face, avec toujours l'avantage pour Monzon Normand, avec Magnum du Choquel. On va se diriger vers le tournant final. En troisième position, il y a Marshall de Célan qui a des ressources à sa hauteur, Magico de Loup. Et Milan qui est toujours à la corde. Entrer dans le tournant final, on accélère progressivement. Monzon Normand, Magnum du Choquel ensemble, c'est de là qui se détache un petit peu. Marshall de Célan qui essaye de rester au contact. Milan vient ensuite avec Magico de Loup. Mi-tournant avec Monzon Normand, Magnum du Choquel, tous les deux suivis par Marshall de Célan. Il y a un petit peu de mal à rester au contact des deux premiers. Et on aborde ainsi la ligne d'arrivée avec Monzon Normand devant Magnum du Choquel et Marshall de Célan. De Poulain détaché à l'entrée de la ligne droite dans ce prix Timoko. Monzon Normand qui repart sous l'attaque de Magnum du Choquel qui est maintenant seul deuxième, mais Marshall de Célan tente de se relancer en léger retrait. Monzon Normand à moins de 200 mètres du but maintenant qui a toujours l'avantage sur Magnum du Choquel et en léger retrait numéro 7 Marshall de Célan. Monzon Normand va s'imposer facilement dans ce prix Timoko. Deuxième place pour Magnum du Choquel devant Marshall de Célan et en retrait le numéro 2 Milan. Victoire pour le favori Monzon Normand qui s'impose avec beaucoup d'autorité. Il a été drivé en grande confiance par Yoann Le Bourgeois qui n'a pas hésité à s'installer rapidement au commandement. Et Monzon Normand s'impose sans coup férir. Une septième victoire pour les 11, ça fait 12 maintenant, 7 sur 12 pour Philippe Allaire concernant les 12 dernières éditions de ce prix Timoko. Monzon Normand devant le 6 Magnum du Choquel et puis ensuite Marshall de Célan qui se contente de la troisième place à distance Milan. Termine quatrième.